Ce samedi 21 décembre 2019, le CRHP par les canaux de son directeur, le frère Floribert Kabindungoy, a organisé une messe pour préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son homélie, l'orateur du jour a exhorté les personnels du CRHP d'être des bons travailleurs pour l'année 2020. En cette même occasion, une récollection a été organisée juste après la messe. Suivez. Abuela, voy a Jesucristo.
sort l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, le chapitre 1er, du 39e au 45e verset. Mokoloko, Marie accueille mauvais mot. Aligni, Koko Manoki, Omo Kayoko, Yayudei. Aingeli, on a pu à Zachary, Apesi, Elisabeth, Osako. Tango Elisabeth a eu le sac la Marie. Mwana a migani pour le kumulaye. Et il y a un sac pour le kumulaye. Agani. Yo, aujourd'hui, pour l'amour, il y a un yabasi panso. Mwana a kumota a kosnope pour l'amour. Boni, mama, oto, a yé kota langai kouye. Awa yo kito sako kayo, mwana aningani na yosendo olibumulangai. Esengo mingi na oyo, solo zambi, oyamaki makambo wanso, zambe alakeli yo. Esengo na oyo, esengo na oyo. Pour la fin de l'année avec tout le personnel à l'occasion de Noël et je pense que nous avons été bien nourris par le prêtre qui était là parce qu'il nous a dit que nous attendons Jésus qui est né pour nous. Il est né lui-même dans de très mauvaises conditions. Il n'a pas été reçu à l'hôtel pour dormir et pour cela. Il est né dans une étable, mais nous devons préparer nos cœurs maintenant pour qu'ils viennent en nous et que le travail que nous faisons soit un travail d'amour, un travail de paix, qui fait que nous soyons ses serviteurs aussi. Nous pouvons servir nos frères et sœurs pour que la joie que Jésus nous apporte. Non, mais lui, allez-le, te retenir, baby, si tu es là, tu as planifié chemin, mon conduit à Zoya.
toa planir ango ndenge nini na kotika mabe kotika makamyo to tozalaki nango surtout biso basali to sala musala malamu to zala exemplaire to komangonga malamu na musala to zala basali moko ya ndakisa et puis ya botosi devant ba autorité ko senga merci mingi na frère na biso directeur na ndenge ya sali frère Floribert to senga merci mingi na nde organiser journée oyo batu misusu mingi bakotaka losambo teme bakoti basepeli quand même na likanisi yo ezale bandeli pete mais ezale bandeli pe e continuer kaka boye ezale bandeli te sukate na sepeli mais c'est l'équipe malamu sangwa te biso malamu 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 mais pour nanga les anciens nga na tiré penal le son est pas sangwa mon konzi alobi que to bonisa nzela pour no yamba Chris. Chris a quitté pour Bisso, Bandimi, To Sakana, et toi, Yébi Mibeko. Mais le gazo pour ma Bisso, tous autres tiens au pena, Namsalate. C'est pour cela, interpellation Oyo, interpellé Bisso Nyonso. Ils allaient à la Yébo Mokonzi, ils allaient à Bisso, bas travailleurs, ils allaient à la niveau à syndicat à Bisso, Makambe le Kamalam, pour que tous à la Malam, ou Essengo ya Chris, c'est ça qui tous à la Malam, tous en la divergence. Tous en abakerente, n'est-ce pas que la mité manabiso, et sa coute abisson à Kimia, et cause à la SMOMI. Je réponds au nom de frère Floribert, je suis frère de la charité, directeur du centre pour handicapés physiques. Oui, d'habitude, nous remettons notre travail à Dieu, parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui est la centrale. C'est une mission que nous avons reçue de Dieu, de redonner la vie et de donner l'espoir de vivre aux personnes vivant avec un handicap. Et à ce moment-là, ceux qui s'occupent de ces personnes, c'est pour cela que nous leur donnons aussi de la matière, de leur montrer que notre centrale, le premier directeur du centre, c'est Dieu. Et c'est lui que nous devons, c'est chez lui que nous devons de temps en temps nous référer afin que nous puissions bien voir les malades, les pauvres, les personnes vivant avec un handicap, voir Dieu dans ces personnes. Et quand nous servons Dieu, donc nous les servons normalement parce qu'ils sont créés à notre image. Tout le monde était au rendez-vous comme c'était prévu et tout le monde était très attentif au point que quand les prêtres prêchaient, et qu'il y avait des réactions. Quand les gens réagissaient, je comprenais qu'ils étaient à la hauteur et ils comprenaient ce qu'ils doivent faire. Surtout quand il leur dit que nous aimerions que l'année 2020 qu'on soit de nouveaux travailleurs, des travailleurs qui ont changé, des travailleurs qui savent pourquoi ils sont là et ils doivent travailler dans le but d'aider la personne vivant avec un handicap.